que les 6 minutes. Comme on est pour la parité, je vais commencer. Lors du congrès de Brest, le CDPE 77, nous avons évoqué la MDPH et les décisions notifiées par celle-ci et non mises en place faute de moyens. Nous étions attristés de constater que ce manque de moyens porte préjudice à la scolarisation des enfants en situation de handicap. Aujourd'hui, nous sommes atterrés de voir que ce manque de moyens se généralise à l'ensemble des élèves. Notre département est en pleine expansion démographique, mais c'est quand même le parent pauvre, le laissé pour compte de l'académie. Nous, parents d'élèves Seine-et-Marnais, comme beaucoup d'autres CDPE, je suppose, subissons chaque jour la dégradation du système scolaire, service public dont la mission première est l'instruction de nos enfants dans de bonnes conditions. Que dire face à ces postes d'enseignement non pourvus, à ces enseignants absents non remplacés, à ces vacataires inexpérimentés, à ces AVS notifiés et absents sur le terrain, à ces élèves en difficulté que l'on peut aider par manque de moyens, à cet algorithme de Parcoursup qui décide de l'avenir de nos lycéens. Cette dégradation du service public nous laisse penser que nos enfants ne sont plus considérés comme des individus que l'éducation nationale va instruire au mieux, mais plutôt comme des numéros de dossier qu'il faut rentabiliser, enfin des chiffres en somme.